Vendredi 24 mai 2024, madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir, pour nous toutes, bienvenue dans notre journal spécial, c'est là, journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité au concernant pays d'Haïti, deux ressortissants américains qui portaient nom Davy et Nathalie mouri en babal bandi dans la plaine, dans l'ison 39, pendant yon tap dirigé, yon orphelina qui portait nom orphelina bon espoir, qui trouvait dans la commune Croix-des-Bouquets dans plein nan. Eh bien, M. Axamio arrivé sous citoyen américain sa yo, yo éliminé yo après yo mette du feu sou yo. Yo titan après, ancien locataire Maison Blanche tant après réagi à travers yon tweet li fait pour li condamner Zak Sila. Côté li dit que vraiment Zak sa a montré une fois de plus que pays d'Haïti pas gagné moun kap dirige le pays a pas sous contrôle. Dans sens sa, li mande pou moun ki komet zak sa yo pa rete san fini pendant li souhaite pou moun ki ale yo yo ale nan la paix et bon Dieu a va recevoir yo. Et n'ap rappelé genyen président Trump ki genyen rapport avec moun sa yo ki mouri an parce que genyen et Ben Becker ki se vraiment représentant parti politique ki genyen Donald Trump la dan lan li même kap vraiment représenté parti si politique ça dans état Missouri aux États-Unis. Ben Becker vraiment qui c'est papa Nathalie et puis Davy qui c'est beau-fils Ben Becker qui arrivé et perdu la ville gagné tout Maison Blanche qui paraît indifférent après te gagné gros préparation qui t'a fait pour force là il était déployé hier jeudi à dans pays d'Haïti et bien quelques difficultés yo t'ai rencontré t'a pas le fait yo repoussé date ça pour première semaine mois de juin pour force internationale là déployée dans pays d'Haïti. Et bien après drame ça côté deux citoyens américains mouri dans l'ison, et bien administration américaine là Joe Biden t'apral vraiment prend la parole pour lui-même lui demander déploiement en urgence force internationale si là pendant que gagné William Ruto qui était trouvé aux États-Unis dans cadre préparation qui t'a faite pour force là lui-même li déployé dans pays d'Haïti. Joe Biden fait connait Zak sa pa ka rete sans pini, c'est dans sens ça Washington mandé déploiement en urgence force internationale là. Pendant gagné conseil présidentiel là pas bon ici t'a préparé pour eux-mêmes yo recevoir force internationale ça gagné 50 personnalités africains qui étaient dans pays d'Haïti qui sorti précisément dans pays Kenya qui fait une séance travail à conseil présidentiel là pour définir puis bon moyen pour force là capable venir dans pays et d'Haïti. Pendant conseil présidentiel là gagne un marché pressé pour choisir un premier ministre qui pouvait diriger gouvernement si là côté gagne vraiment environ 3 noms qui étaient parmi une quantité l'autre candidat qui était déposé pièce pour devenir premier ministre dans pays d'Haïti. Et bien pendant week-end là selon information qui rivait à supposer gagner un premier ministre dans le pays d'Haïti dans l'idée pour capable remplacer Michel Patrick Boisvert qui ouais mandat t'a doué fini pendant week-end si là parce que conseil présidentiel là pas voulu prolonger et il était question de t'a prolonger pour un autre mois. Dans ce sens ça conseil présidentiel là décidé travail une autre rencontre entre conseil présidentiel là avec diverses mairies dans zone métropolitaine là pour capable jeune plus bon moyen pour capable faire assainissement dans la capitale pays d'Haïti côté Fatra vraiment monté et tout dans coin dans zone métropolitaine dans conseil présidentiel là qui déjà annoncé 25 000 emplois directs avec 10 000 alors 10 000 l'autre emploi indirect mesdames et messieurs qui pral gagner pour créer dans pays surtout avec nettoyage zone métropolitaine pour ça attend pilote pral développer dans VOA Creole n'a invité rete là. États-Unis. Trump a organisé un rassemblement dans quartier South Bronx pendant que l'a essayé convaincre un électorat minorité quelques jours avant que un jury dans Manhattan pral commencer faire délibération sous cas criminel ça qui t'a dû condamner sous accusation que t'a fait fraude et puis payer l'argent pour faire main bouche vedette film porno Stormy Daniels que t'a gain relation sexuelle ensemble avec lui.
Donald Trump t'est parlé avec plusieurs milliers de supporters dans Cortona Park, une place publique dans un quartier qui principalement habité par Panyol et Moun Noir dans South Bronx. Un quartier qui parmi ville qui pis diverse et pis pauvre, ça qui très différent de campagne que Donald Trump habitué faire dans zone en majorité blanc côté que le fait pis fort dans rassemblement lio. Ancien président t'est l'ouvri campagne rassemblement ça dans zone là avec un éloge pour ville Natalia. Il t'est parlé de façon que t'est commencé par en bas échelle là comme un petit commerçant hollandais avant que t'est vienne tourner un gros businessman capitaliste qui t'est vienne très célèbre et qui t'est inspiré le monde. N'a pas rappelé que Donald Trump t'est fait dans ville New York là et il t'est établi résidence là dans état Floride là dans année 2019. Hello New York City and hello to all of the incredible tough strong hard working American patriots right here in the Bronx. Bonjour ville New York et puis bonjour à tout patriote américain incroyable qui fort et puis cap travail dit ici là dans Bronx et puis moi là souhait pour me déclarer que nous pral virer ville New York là et nous pral virer très très vite. We're going to bring nous pral porter sécurité tourner dans la rue New York. Nous pral porter succès tourner dans l'école New York. Nous pral porter prospérité dans chaque quartier New York, dans chaque municipalité, dans pi gros ville dans pays a, dans pi gros ville dans pays a qui c'est New York. But sadly, this is now. Mais malheureusement, Kounia, c'est une ville qui en baisse. Et puis, nous gagnons foule immigrants qui a goumé avec officiers police New York. Mais nous pas prêts à quitter ça à continuer. Nous pas prêts à abandonner espoir nous à fierté nous. Ville ça a bas nous en pile. Et puis, Kounia, il temps, il l'heure pour nous remettre ville là, ça a bas nous déjà. Ensemble, nous prêts à faire ville New York là, ville une gros ville encore. Et en même temps tout, nous prêts à faire America retourner une grande nation encore. Avec Donald Trump qui bloqué dans New York à cause du jugement lié pendant plus passé 6 dernières semaines qui sont passées là, yo, campagne candidat républicain a été planifié faire une série arrêt local à travers ville natale ancien président avant et après tribunal là. Il était visité une bodega dans Harlem. Il était passé dans un chantier. Et puis il te fait photo app dans une station pompier locale. Mais rassemblement ça dans Bronx, c'est le premier événement qui ouvert à public là en général. Parce que il insistait que l'a fait gros effort pour gagner un État qui en majorité démocrate, qui pas qu'au jamais appuyé un républicain pour président depuis époque président Ronald Reagan en 1984. A pas créé un spectacle rassemblement moun. Avantage qui a gagné sous problème économique à problème immigration. Yo. Si toutefois, électeur New York, yo ta kabali vote yo, nan yo état clé pour démocrate yo, qui c'est ville New York là. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Une visite d'État. À même soulever toute une série de questions qui est capable facilement ça. C'est comme ça que Kenya a été choisi pour te accepter mission SILA. Nous avons l'autre forme assistance dans le domaine technique, renseignement, équipement avec logistique pour aider Kenya à remplir mission hein, ensemble avec l'autre pays qui a participé dans la mission sécurité. Donc, moi, bien content que le président Ruto accepte prendre la mission force multinationale. Là. Souvent par le président Kenya, William Ruto, qui a répondu à une question, un journaliste pays, qui demande qui intérêt que lui-même a gagné pour l'aider à sécuriser Haïti, un pays bien loin avec le continent africain, alors que même problème qui gagne en Haïti a existé dans le pays Kenya. Kenya believes that the responsibility of peace and security anywhere in the world, including in Haiti,
Eh bien, président, vous te répondre, n'importe côté dans le monde, là, tant qu'au Haïti, c'est une responsabilité collective, tout pays, tout le monde qui croit dans la liberté, la démocratie et la justice pour aider un pays qui en a besoin. Et Haïti n'a pas fait exception. Puis loin, M. Outo, rejeté parole qu'a parlé comme quoi c'est les États-Unis qui impliquaient Kenya dans la mission en Haïti. We don't find that the US is committing Kenya. En tout cas, M. Outo dit, États-Unis pas capable d'engager Kenya. Moi, nous avons approbation par mon pays, nous. Donc, c'est raison qui fait Kenya prend responsabilité pour lui diriger mission à cause de nous croyons dans sécurité avec stabilité. Instabilité avec insécurité d'un côté, c'est instabilité avec insécurité tout côté, d'après chef d'État Kenya, William Outo. We are going to take up that responsibility alongside the Haitian police, and we have clear modus operandi. Concernant l'activité gang armée dans le pays, eh bien, M. Outo déclaré, gang avec criminels n'ont pas de nationalité, n'ont pas de religion, n'ont pas de langage. Donc, c'est confronté d'après la loi. C'est raison qui fait nous former une coalition en plus de États-Unis avec Kenya pour nous sécuriser le pays, pour nous casser fait criminels avec gang qui la souffrance dans la population. Alors, c'était conférence de presse entre président Joe Biden avec président Kenya et William Ruto qui t'a fait une visite d'État aux États-Unis. Pendant 4 jours, on a dit tout, il y a un groupe militant haïtien qui était sorti de New York, comme Okoda, et qui a même été venu manifester, alors, pour manifestation 3 temps. Il y a une devant Maison Blanche, il y a une autre devant ambassade Kenya, toujours dans Washington, et troisième, il y a fait devant ambassade d'Haïtia dans Washington. Justement pour protester contre la présence troupes kenyaïo dans le pays d'Haïti. Nous traversons, nous parlons dans l'autre nouvelle, porte-parole d'une organisation politique proche ancien pouvoir dit, il est d'accord avec la déclaration du président kenyan William Ruto fait pour dire que force sécurité internationale là pour démantibiler Grand Améo Renan Toussaint. Déclaration président pays Kenya William Ruto pendant visite aux États-Unis, précisément Washington DC, déclaration à savoir mission multinationale soutien à sécurité en Haïti a bien crasé foyer gang yo, joint support M. André Michel qui se porte-parole secteur démocratique et populaire. Moi d'accord avec président Outo, force internationale là, mission force internationale là, c'est vin aider la police craser gang. Et moi féliciter déclaration ça qui pas quitter aucune confusion. Parce que nous-mêmes dans SDP, nous disons déjà, pas de rien ou capable de faire avec gang, pas de négociation avec gang, pas de amnistie pour gang. Puis le problème pays a gagné aujourd'hui, c'est le problème gang, c'est le problème insécurité. Et nous sommes d'accord à 100% avec la déclaration du président Ruto, c'est une déclaration d'homme d'État. Et c'est notre position. Et nous pas quitter aucun monde, aucun manœuvrier politique à le passer en battable pour aller en négociation avec gang pour bay gang amnistie. En tout cas, premier contingent y a un groupe policier kenyan qui doit arriver en Haïti fin mois mai 2024 là. À cause conditions logistiques yopoko fin réunis, y a tant mois juin pendant que préparatif en termes infrastructure pour accueillir soldats différents pays qui fait partie. Force là avancer sérieusement. Où est notre Toussaint? Pour VOA Creole, pas de pense. Toujours en Haïti, Conseil présidentiel transition a fait 2 rencontres jeudi 23 mai pour discuter modalité yo avec déploiement force sécurité étrangère dans le pays de Kenya, dans tête mission ça, mission sécurité Yves Manuel. Pendant que Conseil présidentiel là pour grand public mode fonctionnement transition malgré une résolution qui instaurait un président stonat avec une majorité 5-7, un conseil ministre réalisé jeudi à l'extraordinaire pour fixer modalité yo objectif là clair réaliser une transition non transparence et planifier avec en pile rigueur projet yo au profit population haïtienne.
C'est en tout cas ça nous capable dans un communiqué la présidence publié sur page Facebook officielle li. N'a souligné décision ça qui prend pendant le conseil ministre là gain pour particulièrement sous président Stonat là qui a joué entre Edgar Leblanc fils, Smith Augustin, Leslie Voltaire avec Louis Gérald Gilles. Dans ça qui concernait processus désignation prochain premier ministre transition, hein, conseil présidentiel là pas fourni trop information sous avancé processus là. Cependant, quelques sources non capables faire confiance fait qu'on est sur 68 dossiers conseillers présidentiels yo kembe, gain environ 5 là-dedans qui ta kembe après étude en profondeur qui fait sous dossier yo. C'est docteur Gary Conny qui désigné par un ingénieur Fritz Belizer, petite Dessaline désigné, docteur Paul Antoine Bien-Aimé, Alex Didier Fizeme, secteur privé affaires, avec Gérald Germain. Selon conseiller présidentiel Smith Augustin, d'ici week-end ça même, population haïtienne ta doit connaître qui est qu'a vienne premier ministre transition officiellement. Parallèlement, conseil présidentiel transition rencontré jeudi 23 mai délégation kenyane qui en visite dans pays d'Haïti. Préparation mise en place déploiement mission multinationale sécurité et soutien té dans mitan discussion yo. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et puis, week-end, ça, c'est un long week-end aux États-Unis. C'est pour Américain marqué fête du jour du souvenir, là. C'est plusieurs dizaines de millions d'Américains qui ont fait déplacement sur un côté pour aller dans l'autre. Sandra Le Maire a penché sur la question ça pour nous. Autoroute ak aéroport États-Unis yo pral chargé couzeuse wa pendant week-end nan, nan moment américain a met deyò pour célébrer fête nationale ki rele Memorial Day, jour du souvenir. Se jou côté américain songe tout militaire ki mouri nan bataille peyi a. Organisation ki rele AAA, Association Automobile Américaine, prédit se pral week-end côté plus moun ap voyage nan saison été a. Yo di yo atann yo aske 43,8 million moun voyage au moins 100 km entre jeudi avec lundi. Se pi gwo quantité moun yo constaté depuis 20 ans. Administration Sécurité Transport, TSA, lui-même, dit qu'il y a 3 millions de monde qui va passer dans le check sécurité aéroport vendredi. Agence Nouvelle Associated Press a parlé avec voyageuse Larissa Latimer qui était dans l'aéroport O'Hare, Chicago. Our flight was fairly reasonable because I travel with my mom and so I always like to travel first class. Raisonnable parce que moi voyager avec ma mère donc moi toujours aimé voyager en première classe. Donc moi t'ai fait préparation pour saison ça 3 mois à l'avance. Donc moi t'ai joindre un bon vol. C'est hôtel moi t'ai quoi qui était très cher. Au fait Latimer dit toute bagaille tête nègre. I think in the case of things that I have to travel for, I just have to make an accommodation. Non, quand côté moi obligé voyager, moi obligé accommoder, mais tout bagage cher, machine location, tête nègre et puis hôtel yo tout. Voyageuse Cathy Lorco te plaignait pour prix yo tout. Made me use my miles. Il dit moi t'es obligé servir avec crédit voyage, moi tellement privilégié yo t'es cher. Lorco dit il était obligé plus flexible tout. It makes us travel on different days. Li di nou te oblije voyaje diferant jou. Mwen tre konsyan de pri voyaje ap koute. E pi hotel yo tou, ki donk nou te oblije pran hotel pi lwen pase sa nou te espere a. Li ayeryen Ameriken yo atan yo aske yap transporte ou kantite rekor pasaje panan sezon ete a. Ameriken met deyo pa bon e pa paket nan mouman kote sondaj yo fe konen. Citoyen Etats-Unis gen gwo kan sote pou ekonomi a epi direksyon peyi a apran. Sandra Le Maire, VOA Creole, Washington. Et puis, actualité a parmi vedette musicale haïtien yo avec Judon Sri depuis Miami, Floride. Jessica Assaïd, alias Dédé, qui est un artiste solo, qui produit plusieurs musiques et fait diverses performances avec rappeur Fantôme, Orchestre Gabel, Harmonique Design et l'autre encore, décidé pour lui rejoindre groupe musical Investir Music Band comme deuxième lead vocal. Notamment des artistes là, pour qui ça, c'est Investir Music Band, c'est pas un autre jazz. Bon, moi, quoi, dans la mission Investir, c'est ça Investir représenté et pour ça que n'a goumé, moi, c'est place, moi, avec collaboration, ça a été une collaboration qui était
qui était planifié comme si in the universe. Moi fier pour moi participer ensemble avec eux parce que mon quoi travail là son travail qui extremely amazing. Nous représenter jeunes artistes qui travaillent, qui fait effort, qui préparer, qui dépenser l'argent pour produire belle musique, belle travail pour nous. So c'est pour ça investir. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Atkinson Belizer, alias Zigizag Zagalo, qui est un organisateur soirée dansante dans le pays d'Haïti, était de passage dans l'État Floride. Nous témoins des promoteurs opinionnés sur l'évolution, mesdames, dans HMI. Mesdames, vous avez grandi, vous prenez un podium pour vous, notamment au monde comme Richel, qui commence très international. Beijing, vous commencez, monsieur très intéressé, qui on voit très sensuel, qui très, très attirante sur scène. Donc, suivi de Fatima, de Darlene Desca, de Misty Jean, de au monde comme un jeune comme Leïka Paul. Donc, on Martine Alexandre Davinito. Donc, mesdames, vous commencez à prendre place, donc, vous dites, vous avez pouvoir tout. Nouvelle toujours sous vedette yo dans HM Island, groupe musical T-Vice nominé dans catégorie Compa Band of the Year par comité Caribbean Music Awards qui vient pour dérouler pendant été 2024 là dans New York. Nous demandons Roberto Martino avec qui sentiment il recevoir nouvelle là. Mon cher, je fier, je content et je pense que si regardez T-Vice c'est une dans jazz dans business là qui a plus bien joué et T-Vice c'est une dans jazz. Malgré les hauts et les balles, toujours mon ligne droite. Alors, dit que n'a pas j'ai nous ressenti, n'a pas représenté Haïti tout côté, n'a pas joué ici, n'a pas fait n'a pas privé, nous affiché tout côté et fait nous y toujours prend. So, je pense que le juste il fait et je juste remercier l'équipe qui nomine nous et monsieur n'a bien. N'a pas signalé que dans la catégorie Compa Band of the Year, il y a 7 orchestres haïtiens, parmi eux, groupe musical Class, Zafem, New Look, Kai, Beijing à Cadillac, Vibe, Activice. Pour toute nouvelle, souvenez d'être dans HM Island, non pas, c'est juste on se retrouve à Creole, Miami. Et puis, conseil municipal de Chicago a dit mois de mai, comme moi, héritage haïtien, Obed Lamy. Conseil de la mairie Chicago a été voté dans le jour mercredi 22 mai, une résolution qui déclare officiellement moi mea comme moi héritage haïtien américain. So it's been stated Haiti and Chicago has a Jean ça se décide là, Haïti et Chicago ont un lien spécial. Histoire nous m'a connait depuis une même dans fondation ville nous. Deux jours avant passage résolution ça, magistrat ville là Brandon Johnson a organisé une réception privée dans la mairie qui a réuni plusieurs citoyens et personnalités dans la communauté haïtienne. L'événement ça a servi comme première célébration officielle mois héritage haïtien américain. Dans l'occasion ça, chef poste consulat haïtien Yuri Emmanuel a parlé comme ça. This gesture is a testament to our rich culture. Geste ça c'est témoignage qui montre comment qu'il dit langue et héritage nous vraiment riche. Et c'est une grosse reconnaissance pour la contribution de la communauté haïtienne-américaine pour être dans une grosse ville. Magistrat Johnson a parlé dans le même sens, non seulement pour faire éloge de la contribution de la communauté haïtienne pour être dans Chicago, mais tout faire une promesse, un petit genre vague pour investir plus dans la communauté. Je dis à la communauté haïtienne-américaine dans Chicago, continuez à contribuer dans tout le quartier, nous, dans l'école, nous, dans le gouvernement, restaurant, business et plus encore toujours. Là où choisir faire élévation famille, aller à l'école avec notre travail, impliquer dans la ville et faire qu'il tire fleurir dans le quartier, ou vraiment aider à renforcer la ville de Chicago. Je voulais faire connaître l'administration PAM prend engagement pour travailler avec vous pour renforcer l'investissement ville là dans le quartier avec Mounio. Faut que nous disions l'adoption moi héritage haïtien américain dans Chicago, c'est résultat plaidoyer en pile leader avec organisation haïtien américain. Quelques haïtiens qui étaient participé dans la réception ça, tant que Venita Higgins qui habitait dans Chicago depuis plus passé 60 années, pas de cacher contentement parce que au senti résolution ça a aidé mettre kilti avec identité au plus en valeur dans ville là. Mais il y a une grande importance parce que bien content que Chicago reconnaisse que nous-mêmes haïtiens nous prenons part là-dedans parce que comme yo déjà là à Jean-Baptiste de Savoie c'est lui-même qui reconnaît qui crée Chicago et puis nous sommes part de la pays. Obed Lamy, pouvez-vous à créole? Pas oublier dimanche ça, c'est fête des mères en fait. Nous tous, pas oublier non, dimanche c'est fête maman yo. Et puis on a dit tout le monde bon week-end, non, Jean-Marc Réabella.
Et l'autre monde qui t'a aidé à mettre l'émission ça sous pied, gentil Augustin Junior et chef service ça, salutations. Bon week-end tout le monde.